Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xel'Uji Eni, on joue contre Sram Sakri Eni et on a une cote de 4361. Alors je suis encore en train un petit peu de tester à tâtons un petit peu les paramètres et compagnie. Là j'ai essayé de désactiver les animations de sort sur le Xelor mais de les laisser sur les deux autres comptes, on verra ce que ça donne. Voilà, donc je teste un petit peu plein de configurations pour voir ce qui est le plus confortable. Et on va voir ce qu'on peut faire. Je joue après le SRAM. Ok. SRAM 19 esquive. On a en face. D'accord, bon, c'est les fameux sacrés, hein. Pestilence, Phalanster, Scintillant, Ébène Nébuleux. Bon, on se régale. Hein. On se régale évidemment. Bon, le SRAM qui s'avance un peu, qui me pose piège funeste, la doublette. Vie évidemment. Bon, le sacri va être absolument monstrueux avec tous ces items dans tous les sens. Bon, donc les pièges funestes, si j'ai bien compris, si j'ai bien appris ma leçon, c'est ceux qui font des dégâts en fonction du nombre d'entités dans la zone. Voilà, c'est moi, je les ai pris. Tout le monde est content. On va venir faire un contre, un flou. Une fuite. Ok. Lenny. Bon, le Sacri joue après mon Ogi. Donc je pense que je vais partir sur un focus Sacri. On verra comment on gère le SRAM ensuite. Bon, ok, ça booste un peu le Sacri. Jusque-là, c'est ok. Mon abnégation, hein, qui fait des dégâts mais qui réduit les soins reçus. Ok. On va venir faire un Molosse. La miche. Je pense que je vais lui faire une férocité. Je vais tester ça. Jusqu'à maintenant, je le faisais pas trop. Et je vais faire une poursuite ici. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il la déclenche avec sa TP, la férocité? Oui. Je l'ai fail? Pourquoi je la vois pas? J'ai misclick la férocité ou quoi? Ou alors elle s'affiche que quand c'est proc, mais du coup c'est un peu bizarre comme. Les affichages des sorts, c'est quelque chose qui va pas sur Dofus. Hein. Il y a trop. En plus, maintenant, avec les ébènes, les enchantements de familier, les Dofus, dans tout, il faudrait qu'ils fassent plusieurs lignes distinctes de tous les effets parce que ça devient illisible à des moments. Là, on est qu'au début du combat, si vous voulez, c'est déjà compliqué. Ça, c'est un problème, hein, sur ce jeu. Hop, on se booste, on prend l'ébène. Écoutez, je vais me faire un petit mot de régène sur l'Oxelor, je pense que ce sera bien. Je vais m'avancer. Je vais m'avancer. Au taquet avec Lenny. J'ai pas envie d'être isolé. On va voir si je me proc du bouclier avec la férocité sur le Xel. Je sais plus. Férocité, c'est si la cible est déplacée ou subit un retrait PM. Bah, TP, je pense que ça compte comme déplacé. Mais bon, des fois, c'est toujours un peu bizarre sur les descriptions de sorts et. Enfin, il faut tester sur Dofus pour être sûr, parce que si on lit juste les descriptions des sorts, on n'est jamais sûr des effets qui se déclenchent. Piège scélérat, piège de dérive, piège funeste, bon ça va, je vais full réseau, c'est super. C'est Lenny qui la prend? Comment ça se passe? Ouais, ça fait effectivement des dégâts plutôt conséquents. Non, pas de bouclier pour mon Xel. Je n'aurai pas cette chance. Écoutez, on va venir mettre une petite synchro par là. Hop. Cadran de Xel, en vrai je vais le mettre là. Et on est parti. Ok. Tac. 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 Je vais lui prendre les bancacs. Tiens, bah j'ai ras le SRAM avec. C'est tout bénef ça. Ok. Bon là j'ai fait un tour qui était pas dégueu. Sacri qui se retrouve à 2827 PV. Alors ça, c'est ça, je veux faire le kikou avec des sorts qui enlèvent de la vie. Lenny du coup qui est un peu dans la sauce pour se rapprocher. Bon, moi j'ai un placement qui est pas du tout optimal. Je dis ça, mais en fait si, ça va le faire tranquille. Je me transforme, je les rush au cac, ça va très très bien. Lenny qui me fait un retentissant sur le Xel. Ok, il a l'air d'être. Il a l'air d'être haut.
Tac. Bon, je fais ça. Je perds un peu de dégâts parce que je le tape à distance, mais du coup, je me transforme et je peux le rush au cac. Et ça, les amis, ça régale. Ok, des bons gros dégâts placés sur le sacrilleur. 152 PV, hein, c'était pas loin. Si j'avais full tapé avec le Xel au lieu de mettre un peu de retrait, je l'aurais peut-être kill, mais je m'attendais pas à ça. Ok, bah il y avait le contre, bah GG à tous, hein. Bon, il s'est pris le contre dans le nez. Comment dire? Voilà, le sacri corruption, pestilence, etc. Tur le tutu, chapeau pointu, si je peux me permettre. Un contre et c'est réglé, évidemment. Super la méta, on s'amuse. Hein. Bon, je sais pas où il est son SRAM en vrai. J'ai pris Primo Silence, on va s'en servir. Ah, je m'attendais vraiment à le trouver, je suis déçu. Bon, bah, unlucky. Hein. On va essayer de pas trop rester groupé. On va essayer de pas trop rester groupé puisque son SRAM met des dégâts en zone. D'accord. Donc en fait, je l'avais déplacé au cadran a priori. J'avais vu qu'il y avait la zone sur le sacrieur. Et oui, en fait, il avait été pris dans le paradoxe et rollback. Donc c'est pour ça qu'il a bougé. Je m'attendais à ce qu'il soit dans la zone. Et effectivement, mon mode silence était bien cadré sinon. Ok, extorsion, ça tabasse. Ça fait moins mal que ses pièges funestes à moins 1000. Hein. Oh, cela dit, maintenant ouais, ça picote quand même pas mal. Hein. On va essayer de faire attention parce que ça peut vite dégénérer tout ça. Donc on va faire. Est-ce qu'il me tacle? Non. Tac. Tac. J'ai un ébène cac à lui mettre. On va faire ça. Enfin. Cac ou pas cac. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Hop. Bon, c'était pas full opti comme tour, mais c'est correct. Je voulais ramener un peu Lenny pour casser la distance. L'ogive va se régaler. Je vais rush le SRAM. Hein. L'ogive, c'est un bon anti-SRAM parce qu'une fois que ma proie est placée, je peux le trouver au flair. Ça, c'est pas mal. Lenny se fait un peu tabasser, mais c'est ok. Mode silence. Ouais, j'aurais moi à sa place, j'aurais. Ouais, il pouvait pas. S'il prenait l'ogive, il prenait que l'ogive en fait. J'étais juste à la limite de la zone. Ouais, bon, bah écoutez, hop. On va évidemment full héros. On va taper un. Hein. Hop. J'en ai ben 2. Est-ce que je le tue? Oui, il a des ébènes sur le nez. Hein. On va sécure le kill. Avec les ébènes, il y passe. Hein. Je me place pour le Xelor. Le chat me dit que c'est beaucoup plus fluide sans mes animations de sort sur le Xel. Je prends note. Hop. On déloque l'ivoire. On va full tabasser. Tac, tac. Tac, tac. Allez, je le remets dans la zone cadran. Ah, je me suis fail, c'était sur l'unique, fallait que je fasse la gelure. NP, on va faire 100. Bon. Bah écoutez, le contre. GG à tous. J'avais un peu peur du Sacrieur, au final il a pas joué. Donc bah écoutez, c'est une bonne façon de régler le problème des Sacri full méta, évidemment. Ne les laissez pas jouer et tout va très bien. Petit tips, hein, Grifox donne des tips, évidemment. Ça c'est très important. Hop, on peut full taper là, je pense. Hein. On va se booster. Hop, on casse l'ébène. Ok, bah écoutez, ça s'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais. J'avais un peu peur des dégâts que le SRAM pouvait représenter. On va dire bon jeu. Attention au contre la prochaine fois. Ok. Ils ont pas l'air très bavards, je respecte. Bon, bah écoutez, colis qui a été assez expéditif au final.
Peut-être que le fait que la map ait été grande était un avantage pour moi, même si bon, le SRAM qui tabasse à distance au piège et le Sacri qui peut se balader sur la map comme il veut, normalement ça, c'est gérable pour eux, c'est pas forcément un désavantage pour eux de la grande map, mais là, bon, bah, Lenny il a été en galère, il a dû se rapprocher comme il a pu, et le Sacrieur n'a pas joué. Bon, bah écoutez, moi ça me va. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y en a qui vont être hyper contents en mode ah, c'est trop bien, tu pètes les sacris qui jouent full item, Metaslave et compagnie. Bon, là, faudrait voir. Ce serait intéressant que je retombe contre eux sur un peu d'autres configurations. Je suis un peu surpris de la vitesse à laquelle le Sacrieur a fondu. Là-bas, c'est censé tanker comme classe. Je pense que c'est les mods qui veulent ça, hein, les mods full dégâts, full je m'enlève de la vie pour me booster ou je sais pas quoi. On voit peut-être un peu les limites de ça, je sais pas, j'ai pas encore assez de recul sur le gameplay de cette classe pour avoir un avis. En tout cas, je suis quand même assez content de voir un Sacri qui se tue au contre, ça fait plaisir quand ça joue les items légendaires comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.